Mais comment t'as tu peux faire qu'on vienne s'arrêter cela? Étant donné que tu as appelé que j'ai un problème, toi tu viens, tu veux qu'on s'arrête cela pour causer un problème sérieux. Bon, je veux qu'on s'arrête ici parce que j'aimerais d'abord savoir de quoi il s'agit en fait. Et c'est en route. C'est en route que toi tu vois que tu vas pouvoir connaître ce qui se passe dans ma vie. Toi tu vois que c'est normal. C'est du sérieux, ce que toi tu as mal de blâme faire là. En passant, tu es même en train de te voir avec un sac à dos, il y a quoi? Il y a quoi comment? Un beau frère a abusé de moi. Comment ça, il a abusé de toi? Il m'a violée, il parle en chinois. Il m'a violée. Ça s'est passé comment? Essaye de m'expliquer. J'ai allé. C'est bon, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Viens voir. C'est quoi? Tu es en train de réfléchir sur quoi encore pour m'en sortir quand tu veux déjà encore l'argent. Chérie, il y a quoi? Je suis un peu anxieuse. Je ne t'entends pas. Je suis un peu anxieuse. Anxieuse au sujet de quoi? Il y a quoi? L'anxiété, ton anxiété là, naît de quoi maintenant? Il y a quoi? Je ne veux pas que tu te fâches. Il ne faut pas que tu prennes ça mal. Mais en fait, je veux comprendre quelque chose. Parce que je suis un peu tourmentée là. J'ai envie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a quoi? Tu veux comprendre quoi? Depuis que tu es sortie aujourd'hui, tu as vu avec. Elle n'était pas dans sa chambre parce que moi je suis sorti. Je ne l'ai pas vue comme je t'ai dit. J'ai suivi un bruit dans sa chambre là-bas comme si elle fermait la porte à un moment donné. Je ne sais pas si elle sortait ou si elle rentrait. Bref, moi je suis parti. Je ne l'ai pas vue. On ne s'est pas encore vu. Elle n'est pas là. Elle est là. Tu es déjà allé dans sa chambre depuis le matin. Faire quoi là-bas? Je vais faire quoi dans la chambre d'Agnès? Hein? Je suis en train de te dire, j'ai suivi un bruit là-bas. Et quand j'ai suivi ce bruit-là, je suis sorti. Moi, je suis sorti. C'est devant toi ici que je suis parti, non? Toi, tu es sorti après moi. Je ne veux pas que tu te fâches. Oui, mais parce que tu me poses des questions qui prêtent à confusion. Je veux juste que tu m'aides à comprendre quelque chose. C'est pas tu un veux problème. comprendre quoi? C'est pas un Elle problème a fait entre toi et quoi? moi. Elle a eu un souci? Hein? Agathe, que tu étais dans la maison aussi, après moi. Quoi? Que tu étais dans cette maison. Moi? Oui, quand je suis sortie, que tu n'es jamais sortie. Moi? Ok. Je dis, l'enfant là, qu'est-ce qu'elle me veut même à la fin? Il faut que je mette des caméras de surveillance dans la maison si à un moment donné. Franchement, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle me désire quoi? Chérie, Ok. tu sais. Elle pousse déjà le bouchon très loin. Non, franchement, ça commence à bien faire là. Peut-être que je ne veux pas que tu te fâches. Ah. Tu n'as pas besoin d'élever le ton. Ne te fâche Tout ça pas. m'énerve. Je suis allée voir la sorcière qu'on appelle Patricia là. Quand je rentre maintenant à la maison, ma soeur et moi, on se croise aux escaliers. Elle me dit que la porte est ouverte et que son mari est sorti. Moi aussi, j'entre, je ferme la porte, je me couche, je dors. Le gars entre dans la chambre sans faire de bruit. Il commence à me caresser. Il me dit de fermer ma bouche, que je me laisse aller, que ça ne va pas mettre du temps, que ça ne va pas faire mal. Et que je veux combien pour qu'il puisse me donner à lui. Je lui dis que tu veux combien pour qu'il puisse me donner à toi, comment? Moi, je ne suis pas avec peut-être tu dis de m'éviter. Si c'est la secte où on t'a demandé quelqu'un, dis que tu ne m'as pas croisé, dis que ce n'est pas moi. On a fait la force, fait la force, fait la force. Puisqu'il a pris ce qu'il voulait prendre. Mais il était caché dans la maison depuis. Il a fait croire à ma soeur qu'il est sorti. Tant donné qu'il n'est pas sorti, il était caché dans les toilettes. Et tu dis que pendant ce temps, ta soeur, elle est sortie, elle partait où? Elle est partie voir l'une de ses copines. Et tu n'as pas pu prier. Quand tu vois le camp là, je vais crier, qui va écouter, qui va entendre, qui va venir me secourir, qui sera là. Oh, le fait sera fait. Donc, il t'a fait ça.
Je te dis qu'il a fait ça. Jusqu'à il a versé dedans. Ouais, il ne devait pas verser. Mais maintenant c'est quoi? Maintenant c'est quoi? Comment quand maintenant je raconte à ma soeur ce qui s'est passé, qu'elle n'était pas là, elle ne me croit pas. Elle part du côté de son mari, comme son mari est l'homme exceptionnel, l'homme parfait, l'homme sans faute. Elle part de son côté comme moi, je suis une menteuse. Tout ça parce qu'elle déteste son mari. Elle commençait à me raconter les trucs. Elle me blessait avec des paroles. Bon, voilà que tu as dans le sac sur ton dos, c'est tout parti. On sait moi, il dit qu'il n'habite plus là-bas, il ne peut même plus rester avec le criminel, là, le chien, là. Il ne peut même plus rester avec le pauvre, là, dans la même maison. Mieux que moi, reste ensemble. Monsieur me dit que tu vas me loger chez vous. Ouais, bébé. Et tu vois là vraiment c'est un peu compliqué. Tu vois le pourquoi j'étais accueilli ici en route, non? Qu'est-ce qui est compliqué là? Non, je vis avec mon père et chez nous la vie, la situation n'est vraiment pas stable. C'est un peu très compliqué. Compliqué au point où je reste avec mon père et la maman. Et mon père ne connaît pas que je fais déjà. Et là, je dors dans une chambre avec mon petit frère et mes deux petites. On dort sur un lit en étage, tu vois un peu. Il fallait donc devenir père une fois. Tu disais à ton père que tu ne fais pas déjà, que ton père et toi et moi, ils ne nous ont pas vu ensemble. Bien sûr. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter comme ça? Non, tu cherches la femme, mais tu as encore peur de ton parent. Bien sûr que nous avons vu ensemble, mais tu sais que je lui ai dit quoi? Tu dois lui dire que toi et moi, nous sommes ensemble. C'est dans les moments comme ça que tu vas me montrer que nous sommes soudés, que nous sommes un vrai couple. Ce n'est pas maintenant que tu vas venir me lâcher et me dire que tu vis avec tes parents, tu vis avec tes parents et tout quoi. Non, c'est maintenant que tu vas venir me laisser. En fait, je reconnais que Agathe t'a manqué de respect. Elle était désobéissante à ton endroit. Mais... Que c'est une menteuse. Non, c'est ce que tu veux dire. Elle n'est pas menteuse. Quoi? Elle est tout sauf une menteuse. Je connais quand même ma petite soeur chérie. Il y a des choses qu'elle ne peut pas inventer. Ah, donc c'est moi le menteur. Je ne t'ai jamais traité de menteur. Je veux juste comprendre... ce qu'il y a. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le mensonge, tout ça là, et toi, Agathe n'est pas menteuse. Il y a eu quoi? Agathe a eu un souci ici derrière. Hein? Ou bien elle est encore restée inventer des histoires, elle t'a dit des choses sur moi. Chérie Agathe, que tu étais dans sa chambre, que tu l'as vu. Hé! Mbe, c'est le bourreau. C'est ça qui m'intéresse. Mbalmeyo. Que j'ai fait quoi? Que j'ai vu là, Agathe? Que tu as abusé d'elle. Ça a commencé. Ça a commencé. Je savais qu'on allait arriver à ce niveau-là. Donc, Agathe a fini de raconter comment je la drague, comment je lui fais des avances. Maintenant, on est au niveau de « je l'ai violée ». C'est ça? Je vais te dire une chose que tu n'arrives pas à comprendre. Ta soeur, si c'est une manipulatrice, c'est une grosse manipulatrice. Et je sais pertinemment que, d'ailleurs, elle m'a jeté ça au front un jour ici, que je ne te méritais pas. Je sais qu'elle désire que toi et moi se séparent. Ça, je le sais. Mais en toute honnêteté, ça ne me concerne pas. Tu sais très bien, tu connais ma mentalité. Tu sais qu'Agathe est comme une fille pour moi. Je vais violer. Qu'est-ce que je vais violer sur Agathe? Je vais prendre mon membre et je vais mettre ça chez Agathe. À quel niveau? Dans ses cuisses? Je pense bien que c'est la maison dont Michel m'a parlé ici. Oui, ça doit être ça. Sa maison là ici. Les fesses, elle n'en a pas. Je vais faire quoi? Et ça va même commencer comment? Ça va commencer par où? Pour qu'une telle idée me traverse l'esprit que je me retrouve en train de violer Agathe. Dis-moi un peu. Et tu prends sur toi de venir me dire ça. Donc tu n'as même pas froid aux yeux. Tu m'accordes même pas le bénéfice du doute. C'est comme si jusqu'à tu me dis qu'Agathe n'est pas une menteuse. Chérie, je ne t'ai jamais incriminé ici. Si? Je ne t'ai accusé de rien. Oh que si! Je t'explique simplement ce qu'Agathe m'a expliqué. C'est pas moi qui dis, c'est Agathe qui dit. Il y a des choses qu'on tait. Quand on connaît sa personne, tu te serais tu. Te disant non, je connais l'autre, il ne peut pas faire ceci. Et franchement, je ne peux même pas lui parler d'une telle chose. Regarde comment tu me fais transpirer. Je lui ai dit la même chose. Mais chérie, mais elle n'est pas menteuse. De toute façon, je l'ai trouvé. Tout est pleuré. Tout est pleuré parce qu'elle voulait être éplorée. Peut-être, quand le menteur invente son mensonge, il fait comment? Tout est pleuré. Il ne trouve pas des arguments. Écoute, c'est vrai, nous sommes un vrai couple, tu vois.
Mais comprends juste qu'il y a les situations vraiment que je ne peux pas décanter. Là, c'est vraiment fort sur moi. Tu dois décanter, tu dois me prouver que tu m'aimes vraiment. Et mon père sait que tu es plutôt ma camarade de classe. Et pour lui, maintenant, c'est que c'est l'école, l'école, l'école. Et je ne peux rien faire. Donc, tu sais ce que tu fais dans le jonglage. Et moi, je t'affirme dans ma famille parce que toi, tu es trop beau. Parce que toi, je donne, tu mérites tous les éloges que je donnais devant ma soeur là-bas, que tu es l'homme, si tu es ceci. Tout ça pour venir me laisser au carrefour comme tu me laisses là. Est-ce qu'on vit alors dans les mêmes familles, coucou? Ah, et puis quoi? Est-ce que tu connais les situations qui traversent là-bas? Il faut apprendre à faire la différence. Toi, tu manges trois fois par jour, non? Tu manges trois fois par jour là-bas chez Tombo, non? Et puis quoi? Moi, mange une fois. Mais tu cherches là-bas. Le jour même qu'il n'y a pas, le jour qu'il n'y a pas, je dors comme ça, les hommes peuvent privilégier les enfants. Mon cher ami, quand tu connaissais que tu ne pouvais même pas assumer mieux, on ne se mettait même pas ensemble. Parce que ce que tu as mal fait là, il peut m'énerver. Je t'aime. Il y a quoi? Maintenant, moi, je fais comment? Maintenant, je pars où? Tu vois qu'à chaque fois qu'on nous en parlait, on devait passer à l'action, on partait toujours dans les auberges. Parce que tu avais tous les prétextes. Justement. Maintenant, je comprends pourquoi tu faisais cela. Si j'avais su ça depuis le début, je ne te mens pas. Même par accident, on ne serait jamais mis ensemble. Oui. Bon. La solution maintenant, tu as causé avec ton amie Patricia là, tu ne peux pas aller rester chez elle. Donc, il parlait cela que la sorcière là, c'est même à cause des paroles qu'elle me disait, même là que l'action s'est passée. C'est une sorcière. Elle me dit là-bas comment elle devait, je dois faire avec lui. Qu'est-ce que ça dépendait que d'elle, ce qu'elle aurait à faire jusqu'à faire l'enfant même avec lui. Massa, autant de choses. Donc, Patricia t'a dit ça. Elle m'a dit ça. Ce n'est plus une bonne fille. La fille que tu vois qu'elle est longue là, comme je ne sais même pas. C'est la longitude. Donc, elle me déteste à ce point. La qualité que quand on se voyait là, elle jouait avec moi. Elle était toujours en train de sourire, m'appeler mon beau. Même mes petites miettes là, je donnais. Alors, comme ça qu'elle est. Oui. Mais entre-temps, je demande, tu n'as pas une tante ou bien l'ami de ta soeur ou quelqu'un chez qui tu peux aller loger pour le temps de voir comment résoudre la situation. Mais maintenant, tu m'envoies chez les amis de ma soeur. C'est bien comme il connaît maintenant la position. Parce qu'il ne comprend pas comment le père, si tu as la grande soeur, je te permets aussi de prendre la petite soeur, la petite amie de mon frère Michel. Non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça quand même. Il ne faut pas avoir le gros cœur. À un moment, il va falloir gérer le karma. Même Dieu ne veut pas accepter ça. Tu as la grande soeur, tu... Non. Pourquoi certaines personnes se comportent souvent comme ça? Elles sont un bon couloir. Position, je peux même venir m'asseoir ici, là, soit il prend ma position, je m'assois là. Vise les cailloux, c'est même bien parce que j'ai l'effort. Et c'est bien l'espace là, il peut bien gérer l'espace par rapport à lui. Nice. Certaines personnes qui sont courageuses, on appelle ça le gros cœur. Même je ne peux pas accepter ça. C'est vrai qu'on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur terre, mais à un moment donné, quand même, il ne faut pas exagérer. Nice. En tout cas, ce soir, je vais repasser cela. Questionner cela. Si Michel est même disponible, il faut qu'on vienne ensemble. Il faut qu'on passe cela de temps en temps. Qu'on passe là. Mais. Ce soir quand même, avec ou sans lui, moi je suis là. Je dois me sentir ma flore. Non, je peux faire ça à tout le monde, mais pas mon petit quand même. Je dois toujours garder le charisme là, quand il est en bonne dans mon groupe. C'est moi qui gère tout ça. Et je vois tout à l'heure, toi et moi. Agathe n'est pas forte dans la comédie. Agathe n'est pas une bonne comédienne. Et moi je suis un bon comédien. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je te dis tout simplement que l'enfant là, peut-être elle a changé. Mais Agathe ne manque pas. La petite fille là, elle a donc changé. C'est ça. Note ça et souligne ça. Tu encadres, même tu mets entre parenthèses. Tu encercles et tu coloris. Agathe a changé. Dans tous les cas, moi je voulais venir un peu me reposer là. Je comprends. Ça me dérange, je ne sais pas si je vais même trouver le sommeil aujourd'hui. De toute façon, j'ai vu. Tu comprends de quoi? Non, de toute façon, j'ai vu ma petite soeur. Il y a quelque chose. Ah, j'ai fait quelque chose. Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose. Je suis au salon. Hein. S'il te plaît, continue tes investigations.
Inspecteur. Tu peux pas rentrer avant moi. Je suis là de rentrer, c'est pas mon retour ici. Ok. Je suis rentré avant toi comment? Ok. Ça va, ne te fâche pas. Ah ah. Ne te fâche pas, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas où elle a été. Je viens de trouver la porte là ouverte. Je ne sais pas, tu dis qu'elle est dans la maison, peut-être c'est elle qui l'a ouverte. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux plus que tu doutes de moi. Sincèrement, c'est la dernière fois que tu me parles d'Agathe. C'est la dernière fois que tu prends sur toi de me parler d'une telle chose. Agathe a été, voilà, que elle t'a dit quoi? Que je l'ai violée. Moi, violée Agathe. Moi. Tu ne me connais pas. Bref, moi, je suis au salon, hein. Sincèrement. À ce rythme-là, honnêtement, mieux. Moi, je reste loin de toi. Comportement est suspect. Je finis par comprendre. Je vais vraiment comprendre ce problème. Il faut que je me rassure. Je peux faire comme ça que l'enfant dit la vérité. En tout cas, mon mari n'est pas comme ça aussi. Okay. Quand même, mon mari, je le connais depuis. Il va faire ça comment? Qui des deux mains? Qui dit la vérité? Ouais, coucou. Elles peuvent aussi bien te comprendre. C'est pas parce que ta soeur a fait ce qu'elle a fait là que tu crois que ses amis peuvent te détester. Non. Va juste, tu ne connais pas les situations que les gens vivent ici dehors. Moi, je m'envole maintenant pour ma coup partie là-bas. Je ne mets pas le parapluie sur mes ailes. Je commence à voler, j'arrive là-bas. C'est d'abord que tu es mon bébé. Et puis quoi? Moi, comment maintenant que je suis ton bébé? Oui, oui, oui. Je vais te montrer, tu vois. Je suis dans les 500 pages, là, je te paye la moto de 100 francs, tu vois un peu. Uh-huh. Les autres, c'est 400, on va voir comment on va jouer. Oui, moi, je suis en mais le temps que je trouve la solution, non? Oui, mon amour. Faut aussi arrêter, n'aime pas te voir un bébé comme ça, là. Tu vois un peu. Entre temps, même j'ai vu mon ami Boré, là, le vieux grand-père qui t'a violé là. On a causé de lui avec Boré, donc. Tu vas prendre l'embuscade, tu vois un peu. C'est qu'est-ce qui va tomber? Moi maintenant, je ne peux même pas partir au village. Tu ne veux pas partir au village, pourquoi? Parce que tu sais que c'est lui le roi, non? Il est venu sauver toute une famille. Est-ce que ma mère est écoutée? Ça va dire que tu sais que c'est lui qui soutient la famille, cela. C'est lui qui, quand on a un problème, on a assez, on a soin, c'est lui. Maintenant, tu viens nous faire quoi comme ça? Autant de choses. C'est donc pour ça que je t'ai demandé si tu n'as pas une tante ou la copine de ta soeur, tu essaies de partir. C'est un peu juste de t'éveiller autant que je cherche juste comment décanter la situation, comment me battre. Ou bien tu rentres même là-bas à la maison. Tu ne fais même pas, ne fais même pas que t'insulte. Parce que si t'insulte, le ciel va tomber sur toi. Oui, coucou. C'est ça que c'est pas la brutalité entre nous, non? Donc il a fini, je repars encore. Pour qu'il refasse encore. Là, tu peux aussi causer avec ta soeur. Ouais, mon bébé. Ah, laisse-moi, c'est quoi? Oh, le bébé. Eh bien, causer avec ma soeur, donc elle causer avec elle, elle n'est pas là chez moi. Vous n'êtes pas là, Nara, mais elle ne comprenait pas. Quand moi, je te parlais, elle a dit qu'elle est du côté de son mari. Quand son mari ne peut pas me faire le genre de choses là. Comme je suis une menteuse, tu me demandes, tu me dis que tu parles, je repose quoi avec elle. Mais entre temps, c'est le contrat. Je t'avais dit ça à ta soeur. Mais j'ai causé avec elle, elle m'a toujours pas cru. Elle a dit que je mentais. Justement, en plus qu'elle savait que ça devait arriver. Pardon, moi, tu n'as pas même sur la moto, mais elle te prévient que ça habite un peu et pas. Les 100 francs que toi tu dis que tu vas me donner, c'est pas. C'est pour comment toi tu vas causer avec le moto, mais là que 100 francs, 100 francs, ma chambre pas. C'est ça que tu t'en veux, chef du quartier, non? Bébé, donne avant le sac, donne le sac. C'est quand même mon amour. Toi, oui, toi qui me regardes, toi, oui, toi qui apprécies ce que je fais, t'es-tu déjà abonné? Si ce n'est pas le cas, lis juste en bas. Tu vois le nom, Rob le Grizzly fait son signe. Va et tape ça sur YouTube et abonne-toi. Merci. Oh, bébé, tu vois, on a marché à pied jusqu'ici là, à Biten. Tout ça par amour pour toi, tu vois un peu. Maintenant là, que la...
La copine de ta soeur n'est pas là, je ne sais pas comment tu vas faire. Mieux, tu vas seulement rentrer là-bas à la maison, tu vois un peu. Pourquoi tu es malade, Michel? C'est-à-dire que tu es malade. Parce qu'elle n'avait même plus de l'amour, là, même d'infini. Par que où? Mais... Pourquoi pas t'as encore violé? Pour que pas tes pères aient encore ma dignité là-bas. En pardon, hein, la paix est bien. Si tu fais, tu as 500 sur toi, là. Tu vas me donner les 500 là pour partir dans mon village, ce n'est pas l'autre. Tu vas me donner les 500, je vais partir au village. Là, en 400, on me laisse s'abonner sur ce roule, on me laisse quelque part là. Et bien, trouver les gars de moto, les peuples qu'on savait, ils me laissent à la maison, ma mère ou ma tante, même pas ma mère. Mais ma tante là-bas, elle est compréhensible. Elle va payer la moto et je vais tout lui expliquer. Et maintenant, comme on va te donner les 500 là, on va faire comment? Eh hey, pardon, et quand tu vas faire comment? Non, pas tu te soucies de moi. C'est même pas à cause de toi que tu as les problèmes, que tu as les problèmes là. Si tu avais accepté les avances, tu les serais dehors. Et ça va quand tu auras comme une pleure, comme une orpheline. Pardon, mais fais même pas que ma tension monte. Ouais, et puis même Agathe, te pousser en route comme ça, là-bas, tu te cognes. C'est juste l'amour, fais ça par amour. Mais tu vas faire quoi par amour? Donne-moi l'argent là et bâche ma dame de moi. Arrête les bêtises là. Ouais. La dernière fois. Donc toi, tu te soucies de moi. Fais du coup, comme ça, là. Ouvre ça. Oui, tiens. Quand tu arrives, tu ne me dis même pas que tu arrives. Moi, elle n'est même pas encore préparée. Depuis qu'il y a un zoom. Pourquoi tu viens comme ça? Il fallait m'appeler que tu venais. Non, il y a même d'abord eu quoi que tu débarques comme ça. Tata, tu m'envoies ça. Je souffre. Tu souffres quoi? Tu n'es pas plus à l'école. Tu n'es pas plus à l'école. Tu n'es pas plus à l'université. Non, mais l'université, quand elle te voit, même... refusé. Quand elle te voit avec le gros stade, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va te parler dans l'homme debout? Il faut t'asseoir. J'espère que personne n'est mort là-bas. J'espère qu'il n'y a rien eu de mal là-bas. Parce que tu connais comment moi mon cœur fait souvent. Donc ne viens pas me soulever. Le gars, je suis là, mes problèmes pour Azim. Bonne nomme qu'il ne mourra. Et te dis d'abord. Je t'écoute. Tu sais que. Ne me dis pas les tu sais que. Parle vite. Ah. Toi aussi, tu es venu aussi me frustrer. Ah. Tu sais que comment le français me donne d'abord l'attention. Donc si tu vas faire là, que tu vas s'en que tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Donc parle vite. Tu sais que ça était venu me prendre au village. Elle disait que non, elle veut rester avec moi. Mm-hmm. Arrivée là-bas chez elle, tout était bon, tout était bien. Il y avait vraiment ma chose bien. Jusqu'à ça a commencé. Il y a de cela un mois. Son mari a commencé à me faire les avances, commencé à faire les scènes de jalousie. Lorsque mon petit ami venait à la maison comme ça, il commence à gronder, il est furieux. Donc il me dit qu'il ne veut pas voir mon petit ami à la maison. Commencé à raconter les mensonges à ma grande soeur. Maintenant ma grande soeur, comme elle a dit qu'elle a trouvé l'homme idéal, que c'est l'homme parfait, il ne peut pas faire ce genre de choses. Que c'est parce que j'exagère, il veut y avoir ma liberté. Il me dit que ce n'est pas ça. Ton mari, quand tu vois cela, fais attention. Un jour, tu vas venir ici, tu vas trouver que moi, je serai à moi enceinte. Et c'est quand la tête du bébé va sortir que vous allez connaître qui est vraiment le père de l'enfant. Cela. Elle me dit que non, ce que tu fais là, tu vas y montrer que mon mari, c'est une mauvaise personne. Parce que tu es toujours comme ça. Elle dit que moi, on était jalouse pas, mais moi, je te dis juste la vérité. Essaye de voir pourquoi ton mari, lui, il est furieux quand mon petit ami vient ici à la maison. Est-ce que moi-même j'ai dit que son choix pour qu'on couple là, ça me plaisait quand vous êtes ensemble? N'est-ce pas, ça passe. Je pars dans mes marches, je rentre. Elle et moi se croisent aux escaliers. Elle me dit qu'elle a laissé la porte ouverte. Elle pensait que j'étais couchée à l'intérieur. Oh, je n'étais pas là. Elle a fini de me réprimander comme une grande soeur peut réprimander son enfant. J'ai compris, je suis partie. Il a fermé la porte, je suis allée me coucher dans la chambre. Commencé à dormir. Sans connaître que son mari était dans la maison, il était caché aux toilettes. Il vient, il me caresse. C'est là que je me réveille. Attends. Qui vient te caresser? Son mari, l'homme idéal. Il vient, il me caresse. C'est là que je me réveille en sursaut. Il y a quoi? Tu
tu as fait comment pour entrer dans la maison? Si tu passes à travers les portes, tu es sorcier, tu es magicien, tu as fait comment? Il me dit, chut, ferme ta bouche, ça va aller doucement, laisse-toi aller. Tu veux combien pour que toi et moi on puisse faire l'amour? Je dis que faire l'amour avec qui? Est-ce que je t'aime? Je ne t'aime pas, tu es le mari de ma soeur. C'est comme si tu me demandais d'empoisonner ma soeur. Je ne peux pas faire le genre de choses ici là. Fais-moi le chantage. Que, oh, tu fais ça, puis te payer l'école. Tu vas repartir couvrir ton petit ami là. Tu vas quitter ma maison à cette allure si où vont les choses. C'est monté, c'est descendu. Puisque le gars m'a forcé. Il a abusé de moi. Comme tu me vois venir, que je viens ici, il dit qu'il ne peut même plus rester dans la maison là. Il ne peut plus rester. Attends, quand ma soeur vient. Il y a une partie là qui n'est pas bien, qui n'est pas bien entrée dans mes oreilles. Quand il a forcé, après il a fini par... Il a fini par me violer, il a fini par abuser de moi. Il a demandé de fermer ma bouche, que ne dise rien, que si j'ouvre ma bouche, il va me tuer. Attends, je vois que l'affaire s'y continue, parce que voilà tes oncles même qui parlent là-bas dehors. Mais voilà qui parle. Je vois que l'affaire là veut continuer. Parce que ce que ton oncle, ce que je sais pas où c'est ton oncle, ton grand-père, Owona, m'avait fait, c'est la même chose que le salopard, le chien, le villageois du mari de Cristal, veut t'amener au corps. Il a déjà fait. Donc c'est héréditaire. Ça ne va pas finir comme ça. La sauce, ça ne peut même pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça, soit. Il fallait m'appeler. T'appeler comment? Tu venais faire quoi ici? Tu, là où tu es là, tu sais comment? Je ne peux même plus rester là-bas. Mais parce que même ma soeur, elle est partie du côté de son mari. Elle me couvre en train de pleurer. Elle me couvre en train de couler les larmes. Tu sais que non, les choses comme ça ne sont pas... C'est un scénario que j'ai monté. Tu sais que les choses comme ça ne sont pas souvent faciles à accepter. Moi-même, quand j'étais partie, dis ça à la femme de Tonto Onata. La femme de Tonto Onata m'avait chassée. Elle m'avait chassée. Elle ne veut même plus me voir, même passer, même seule. Elle ne veut même plus sentir mon odeur. On te dit que c'est facile. C'est quand elle-même elle va l'attraper qu'elle va accepter. C'est quand Tonton Ounata est allé faire ça à une autre de nos cousines là, qu'elle-même elle avait vu, qu'elle a cru que non, ce que je disais était la vérité. Qu'elle a cru que ma soeur était ma mère. Donc ce n'est pas possible. Mais je comprends que non, ma soeur n'est pas ma mère. Là où tu elle es est tout sauf elle que ma soeur. On n'a même pas le lien de sang, aucun lien de parenté entre elle et moi. Elle est partie du côté de son mari. Ce sont les choses comme ça qui font souvent que si elles sont là, elles disent ça à tes oncles qui sont là-bas. Quand on va arriver là-bas, c'est gâté. Donc là où tu es là, à moine ou à main, toi, Mion, ça ne peut pas finir comme ça. C'est là où je te condamne, c'est qu'il fallait m'appeler. Moi-même, je venais là-bas, il ne fallait pas partir. Parce que quand tu portais tes pieds, tu passes et lui donner le poids. Il fallait m'attendre. Pour qu'il continue à me violer, ça n'est pas au travail. Pour qu'il continue à abuser de moi quand il n'est pas là. Ouais, ça va. Est-ce qu'il t'a tué? Où? On va rentrer là-bas. Je vais jeter le cabas sur moi. On part à deux. Est-ce que je peux demander de partir seul? On va partir à deux. Allons, lève-toi. Donc tu viens rester ici. Donc c'est toi qui viens rester au village. Abiman bon mandamte. Tu ne peux pas rester ici. Allons, tu vas aller rester là-bas. Sois ici encore. Marche vite, ne perds pas le temps.